c'est 18 chroniques qui font le lien entre la pop culture et la littérature classique. C'est-à-dire qu'on prend une œuvre que tout le monde connaît, et voilà, qui fait partie du quotidien de la culture, et on essaie de montrer le parallèle qu'on peut faire et le lien qui existe avec un ouvrage classique, c'est-à-dire du type de ceux qu'on doit lire à l'école, mais également de ceux dont on parle en général dans les émissions, à la radio, etc. Enfin bref. Et on essaie de montrer qu'il y a un lien qui est non seulement un lien des histoires, mais aussi un lien des idées. Et que, voilà, d'une certaine manière, il y a des ponts qui peuvent être trouvés entre, par exemple, Balzac et Marvel, dans l'habileté du retour des personnages. C'est-à-dire que c'est Balzac qui invente le retour des personnages dans le fait de dire « je vais écrire une histoire dont le personnage principal reviendra dans le tome 2 ». Mais plus en personnage principal, en secondaire. Et en fait, ça permet de faire quelque chose qui est proche de la vie. Et c'est un peu l'objectif de Marvel. C'est de faire, comment dire, un panorama de tous les super-héros possibles. Vous avez le super-héros qui court hyper vite, celui qui a un pouvoir de feu, celui qui peut invoquer la tempête, etc. etc. Il s'agit d'un livre qui, à travers 18 conversations, comme dit le sous-titre, désopilantes et néanmoins érudites sur la littérature, vient en fait, dans 18 chapitres, mettre en lien des problématiques de pop culture et des questions de littérature classique. Donc on va voir par exemple, est-ce que Tarantino est jouissif et cathartique, quand même à le dire Télérama. Et donc on va prendre au sérieux cette question et se dire mais cathartique ça veut dire quoi en fait? Parce que c'est un terme qui vient du théâtre du XVIIe siècle. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça voulait dire au XVIIe siècle? Et en fait on va aller comme ça interroger ces concepts de la littérature classique ou voilà, ces vieux livres, on va les interroger à l'aune de la pop culture. On va rapprocher la pop culture de la culture classique et faire des ponts. J'ai pris goût à la littérature assez jeune, puisque j'ai eu l'immense chance et facilité d'avoir des parents qui lisent beaucoup et qui m'ont fortement incité à lire moi-même. Et j'ai compris progressivement, d'abord à l'école, que c'était effectivement une porte vers des gens que je pouvais apprécier, enfin en tout cas qui me comprenaient mieux que probablement voilà, un tel dans ma classe. Et désormais, je trouve que c'est une porte vers des sensations et des sentiments qui sont assez rarement expérimentés ou en tout cas assez rarement retransmis au quotidien. Et ça permet donc effectivement de s'enrichir, non seulement avec des sensations nouvelles, mais aussi en découvrant des personnes nouvelles. Et je trouve que ça contribue, il n'y a rien qui contribue aussi bien à l'ouverture de l'esprit que la littérature, puisque c'est finalement l'exotisme dans son salon. Initialement, moi, j'étais pas du tout un grand lecteur. Moi, les livres que j'ai dévorés quand j'étais petit, c'était Les Chœurs de Poule. Je me suis fait la totalité des Chœurs de Poule à plusieurs reprises. Et en fait, j'ai découvert la littérature classique, je pense, quand je devais être en seconde, un truc comme ça, en lisant Bel Ami de Maupassant. Et j'ai complètement adoré et en fait après je suis allé en prépa lettres et c'est là où j'ai commencé à bouffer beaucoup de livres en fait pour les cours, mais j'ai vraiment adoré parce qu'on avait des cours passionnants, justement des cours qui mettaient aussi en lien, qui nous permettaient de mettre en lien la littérature classique avec notre culture à nous, donc qui est plutôt la pop culture. Donc voilà, savoir quels sont les liens entre tous ces livres qu'on a lus et Game of Thrones ou encore Tarantino, Walt Disney, etc. En fait, ces liens sont nombreux étant donné que tous les créateurs d'aujourd'hui se nourrissent en fait des œuvres d'hier. Et c'est un peu ça qu'on a voulu mettre au jour ici et moi, c'est ce qui me passionne. On a commencé sur YouTube parce que en 2015, c'était la période où pas mal de gens se lançaient dessus. Et on s'est dit que c'était une plateforme qui pouvait nous permettre de toucher pas mal de gens parmi les gens qui sont habituellement peu touchés par la littérature. C'est-à-dire qu'en 2015, YouTube était essentiellement peuplé par des gens qui faisaient de l'humour, qui faisaient voilà, du podcast, ceci ou cela, etc. Et disons que tout ce qui ressort un peu de la culture, des vidéastes culturels, a vraiment émergé à partir de ce moment-là. Et on s'est dit, c'est l'occasion de trouver des gens à qui on pourrait parler de littérature et qu'on pourrait convaincre de lire tel et tel livre parce qu'on pense justement qu'ils ont quelque chose d'épatant à nous dire. Et c'est là qu'on les trouvera, ce sera sur YouTube. Et je trouve que c'est quelque chose qui se confirme, c'est-à-dire que ça a beau être voilà, les mains d'une immense multinationale américaine, elle nous offre une porte vers des gens qu'on trouverait assez difficilement ailleurs. En fait, on est passé de YouTube au livre papier parce qu'il y a pas mal de, il y avait pas mal de vidéos sur lesquelles on était hyper frustrés parce qu'on voulait aller plus loin, tant du point de vue du propos que du point de vue même du texte. C'est-à-dire que sur YouTube, en fait, on a un certain ton qui va pas être le même, évidemment,
que dans ces chroniques-là. Ces chroniques-là, elles sont toutes complètement inédites par rapport à nos vidéos, tout simplement aussi parce qu'on voulait un ton qui soit spécifique au livre. Et voilà, on voulait vraiment écrire à proprement parler, sachant que sur les vidéos, on pense avant tout les vidéos comme un médium visuel. Et donc en fait, le texte est avant tout au service de la vidéo. Alors que là, ici, voilà, c'est le texte pour le texte et on s'est vraiment amusé et on espère voilà, que les lecteurs aussi vont vraiment kiffer, quoi. C'est des questions auxquelles il est difficile de répondre étant donné qu'il y a toujours un milliard de livres que vous avez envie de citer. Et surtout, vous êtes très biaisé parce que c'est ceux que vous avez lus à cet âge-là et qui vous ont beaucoup marqué, dont les personnages ont continué à vivre avec vous. Et moi, je citerai Le Montage de Vladimir Volkov. C'est un auteur qui est assez rarement lu parce qu'il appartient voilà, à une époque qui est un peu révolu, mais je trouve qu'il avait quelque chose d'absolument fascinant parce que c'était quelqu'un qui arrivait à faire pour des adolescents des romans qui étaient éminemment politiques et presque géopolitiques. C'est-à-dire que ça se passe pendant la guerre froide et on suit le parcours d'un descendant de Russe blanc qui est recruté par les agents secrets du KGB pour apprendre les méthodes de désinformation et essayer de transmettre un petit peu le bazar dans les infos françaises dans les années 50, 60, etc. Et c'est vraiment un livre qui est assez fascinant parce que c'est vraiment un auteur qui arrive à nous montrer des choses inattendues et vraiment à ne pas prendre les adolescents pour des débiles. Et je trouve que c'est l'immense valeur d'une petite partie seulement de la littérature, en tout cas que je connais, adolescente, c'est qu'elle prend vraiment au sérieux tout ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Ce que je conseillerais à tous les ados, moi, c'est L'Étranger de Camus. Je pense que c'est un bouquin, moi j'ai découvert la littérature avec Bel Ami de Maupassant, mais avec L'Étranger de Camus, j'ai découvert aussi qu'un livre pouvait à la fois nous passionner et puis une fois qu'on a terminé, on se dit mais c'était génial, mais en fait ça parlait de quoi ? On le relit, on dit ah ouais ça parlait de ça. Puis après L'Étranger, on le relit encore, on fait bah non ça parlait de ça. Et en fait c'est une œuvre qui est fascinante parce que on ne sait jamais finalement de quoi elle traite. Mais on sait une chose, c'est qu'elle nous touche. Et moi c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé pendant pas mal de temps. Et c'est un livre sur lequel je suis beaucoup revenu.